Je préfère m'éloigner du groupe. J'ai besoin d'être un peu seule. Je commence à m'habituer à devoir me battre et je m'en sors de mieux en mieux. J'arrive à ne plus bousiller mes vêtements maintenant. Je fais le tour du village à la recherche d'une pomme. Yel nous suit, on le sait. Alors ce ne serait pas étonnant. Je ne trouve rien, mais à un moment je sens une présence. Je me retourne rapidement. Il s'agit de Lina qui m'a suivie. Aujourd'hui, elle s'en est bien sortie. Elle s'en sort de mieux en mieux et je m'attache de plus en plus à elle. Aurais-tu trouvé une pomme sculptée? Tu sais, comme l'autre jour, au campement. Comme ça? Me demande-t-elle en pointant un arbre. Je vois le pommier. Comment ai-je pu ne pas le voir? Je le regarde jusqu'à ce que mes yeux portent sur une pomme sculptée. Celle-ci encore accrochée à l'arbre. Je dois bien admettre que son talent m'impressionne. Et sinon, c'est bien sympa de nous observer, mais un coup de main, ce serait pas de refus! Criai-je à l'intention de l'assassin. Pour réponse, une pomme me tombe directement sur la tête. Impossible de savoir d'où elle vient. Je la ramasse et la regarde. Je sais d'avance qu'elle est creusée. Tu as de jolis yeux. Je prends le temps de lire plusieurs fois cette phrase. La pomme me drague? Non. Il est taquin. C'est une plaisanterie. J'ai quand même un doute. Je ne sais pas trop si c'est censé me faire peur ou me rassurer. Je retourne à la place centrale avec Lina. Je vois alors Elendel en compagnie d'une naine. Celle-ci semble charmée par le joli cœur. Je ris intérieurement. Et je ne me prive pas de me moquer de lui avec quelques regards taquins. Je lui lance alors la pomme qu'il rattrape avec la bouche. Quelle agilité! Je n'ai pas le temps de lui dire quoi que ce soit qu'il croque dedans. Il ne lira jamais le message. Je m'installe alors près de Ragnar. Je suis d'humeur taquine après avoir entendu Aegir sous-entendre que Ragnar était amoureux de moi. Elle en a parlé tellement fort que même Elendael a dû l'entendre. M'installer près de Ragnar est donc un moyen de provoquer l'elfe. Je ne sais pas trop pourquoi je fais ça. Est-ce que je serais jalouse? Je ne l'ai jamais été. Et je ne sais pas trop ce que je cherche à provoquer en faisant ça. Mais je le provoque. Dommage, il n'y fait pas trop attention. Trop concentré à jouer de l'ocarina pendant que la fête bat son plein. Je prends une attitude nonchalante, comme si ça ne m'atteignait pas. « La pomme me drague !» lançais-je à l'elfe. Je me lève pour m'isoler avant d'entendre quelques fausses notes. Je comprends que ça le dérange un peu. Je retourne près du pommier pour m'isoler. Je repense à ces mots gravés. Finalement, ça me fait froid dans le dos. Je sais que ce sont des choses qui arrivent. Je sais que j'ai un certain pouvoir d'attraction, mais à ce point... Je ne sais pas vraiment si ce qu'Aegir a dit est vrai ou non. Mais si c'est le cas, ça va foutre une ambiance de merde dans le groupe. Et si en plus, la pomme... qui nous suit inlassablement et charmé aussi, ça va être le bordel. Je me demande si je ne ferais pas mieux de retourner à Opalia. Je retournerai à ma vie tranquille. Au moindre souci, je ferai appel à Shondil. Fini la responsabilité des enfants sur les bras, fini d'avoir peur de m'endormir, fini la compagnie de ces fées mal appris, fini les zombies et les démons. J'entends les rires et la musique de la fête. Je me sens seule. Je décide d'y retourner et de faire bonne figure. Demain, nous reprenons notre route pour Transvaal.